Salut à Kilou. Elle va bien cette fois? Bah elle va bien, de ce temps automnal. Bah il a neigé là, oui, tout à l'heure. Un petit point météo, on espère que vous allez tous très très bien. Ouais. On se retrouve pour quoi à Kilou? Alors pour la Birchbox du mois de novembre. Et puis Chacha m'a fait une blague. Non c'est pas une blague, c'est juste que j'essaye de mettre un peu de suspense dans nos vies. On a aussi la Beautiful Box que j'ai reçue cette semaine à la maison, que j'avais prévu effectivement d'ouvrir avec vous tous ensemble et de faire un peu la surprise à Akilou, parce que pour l'instant on sait pas trop, en fait c'est un peu la surprise tous les mois, est-ce qu'on va recevoir la Beautiful Box ou pas. Donc là, surprise, je la cale ici en me disant bon bah c'est bien comme ça elle la voit pas et je vais la sortir devant vos yeux ébahis. Mais Akilou, œil de lynx. C'est ça, je me suis retournée. En fait elle check avant chaque vidéo. Si, y a pas une photo qui traîne, un truc à l'ancienne qui foutrait la honte. Et du coup, bah, elle est tombée sur la box. Donc, bah, pas de surprise. Cette femme, on ne peut plus, on ne peut plus la surprendre. C'est ça, c'est fini quoi. Si tu veux bien, on va aussi ouvrir la, la Beautiful Box. Avec plaisir. Est-ce qu'on a un thème du jour? Ah non, parce que cette femme n'a pas bossé la vidéo. Ah non, mais pas du tout. Donc là, elle vient d'ouvrir son paquet comme ça, tac tac. Mais c'est bien. Hey. Alors, ça prouve aussi que je ne triche pas. Bah, j'espère bien que tu triches pas, Akilou. C'est quand même la base de ces vidéos. Bah oui, on sait jamais. Genre je vais ouvrir la box en loose day comme ça. En loose day pour regarder et faire ah. Oh, on va reparler évidemment de la box du mois d'octobre. Mais ce mois-ci je pense que c'était la pire vidéo du monde, enfin, la non, pire, dans le bon sens du terme. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a d'arras. Mais je l'ai regardé en boucle. Mais en boucle. Et puis je rigolais tellement. Mais j'en pouvais plus quoi. Mais on est parti. Mais je crois que c'est la vidéo de l'année. Sketch sur sketch. Hein. Il y a jamais de temps mort. C'est ça. C'est pareil. Rentrer du taf toutes les deux quoi. Bah ouais. Mais je crois qu'on était à bout. Ouais c'est ça. Je à bout de notre journée. C'était. Et puis c'était ton anniversaire à Kilou. On était obligé de faire la fête. Exactement. Donc bon, petite box du mois d'octobre. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour celles et ceux qui auraient raté la vidéo du mois dernier? Personne l'a raté. Bah, bah forcément, vous avez tous regardé. Bah, vu le nombre de vues, je pense que vraiment personne l'a raté. Bon, je vais vous expliquer encore le nouveau sketch. Chacha vient d'apprendre un truc unbelievable. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bah que je mettais jamais de crème en dessous de ma bébé crème, parce que pour moi une bébé crème, ça fait les deux. Bah ça fait même les 5. En général, il y a 5 propriétés. Comme c'est marqué anti-UV ou je sais pas quoi, c'est pas pour autant que tu mets pas de crème solaire. Un petit sourire en coin qui veut tout seul. Non bah si, après j'en mets de la crème pour pas avoir de coup de soleil. Ouais. Non mais bon voilà, bref, voilà. Donc Akilou ne mettait pas de crème de jour quand je mettais une bébé crème. Ouais. Ouais. C'est vrai que cet été j'ai mis une crème de jour sans. Quand je suis bronzée je mets pas de bébé crème, là c'est vrai que j'en mettais. Et Chacha me fait ben du tout et tout et parce donc... que c'est parti d'une réflexion où tu t'es fait un masque. Sale histoire, mais franchement faut que j'arrête les... Je tiens à remercier Amandine. Je t'en ai pas encore parlé, je t'en parlerai au moment opportun. Masque charbon, plus jamais, plus jamais de ma vie. Le masque de chez Action qu'Amandine elle teste dans sa vidéo. Je sais pas ce que j'ai fait, après c'est moi, parce que Amandine quand elle le fait, elle a pas l'air d'être en panique. Moi ça a été panique à mort, j'arrivais plus à enlever le truc. Et donc forcément elle a frotté et, bah, et les plaques. Quoi. Et les plaques rouges et tout, franchement. Alors qu'Akilou elle a pas du tout une peau réactive. Hein. Non c'est ça, ma peau, je mets tellement peu de choses sur ma peau. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis bah t'as pas un petit masque hydratant, un truc à mettre en couche épaisse pour apaiser le truc quoi. Eh non, j'ai que de la bébé crème. Peut-être pas, même si je veux de ma bébé crème. Mais quel sketch. Mais ouais, non, mais c'était. Mais quelle angoisse. Mais l'angoisse de me retrouver avec une peau arrachée pour un produit de merde. Pour me dire, je vais tirer, je vais enlever mes points noirs et tout. Truc, En fait, c'est dangereux de faire comme ça. Est-ce que. Donc voilà, on en vient au truc. Donc maintenant. On fait quand même des digressions, hein. Bon, ouais, c'est clair. Quand on parle, le truc, on va le mettre en accéléré. Bref, donc j'ai mis la crème que j'avais eue de Bioderma. Le mois dernier. Et j'ai l'impression qu'effectivement, je pense que ça doit bien nourrir ma peau. Oui, et puis là en plus, il commence à faire froid, et puis, oui, il faut. C'est ça. Faut redoubler de vigilance. Voilà. Plus laver, je lave toujours mon visage avec un savon, un pain de savon et l'éponge Conjac pour dire bien nettoyer les impuretés de la journée. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça en fait. Pourquoi acheter plein de produits alors qu'un savon de base. Ben voilà quoi. Mais on s'inflige toujours des trucs. Bon, après, il y a le kiff de la nouveauté, il y a le kiff de. Bien sûr, ça je suis. Mais c'est vrai que sur les masques et les gommages, il faut toujours faire super attention parce que bah, selon ton type de peau, selon comment tu l'appliques aussi, peut-être que tu as mis une couche trop fine. Non, mais je pense. Trop épaisse. Et qui séchait pas en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je t'imagine en panique. Bah, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message tout de suite. Putain, mais le drame quoi. C'est parce que j'ai pas le droit, hein, mais sinon les photos.
Arrête, c'est vrai que je t'ai envoyé une photo. Non, franchement, un kilo. J'étais en. J'avais envie de pleurer, quoi. C'était le lendemain. Donc, bon, bah, d'autres choses. Des flops, des. Bah, le truc Paul and Joel. Ah, le Luminizer. Bah, jamais j'achèterais ça de ma vie. Hein. Franchement, j'ai pas. Moi, je comprends pas le concept. Je l'ai mis. Ouais, tu vois pas la diff. Non, mais vraiment, après, c'est peut-être moi. Hein. Je suis pas une adepte. Mais après, je suis comme ça. Oui, bah oui, on va pas se changer. Voilà, c'est ça. T'es quand même contente de découvrir les nouvelles choses. Mais oui, non, mais c'est ça. Ah oui! Et dans la Beauty Full Box, ce que j'ai aimé, c'est la crème de shampoing. Je me souviens plus. Tu le testeras, il y en a encore un petit peu. Canon, en fait, c'est un shampoing en crème. Donc, tu mets de la crème dans tes cheveux. D'accord. Et en fait, ça mousse. J'ai adoré la texture dans mes cheveux, quoi. J'ai fait ça après mon aîné. J'ai adoré. Cette femme. Donc, voilà. Tu sais qu'on nous a demandé une vidéo sur tes soins naturels pour les cheveux, je sais plus quoi. Les soins naturels, ce que je mets sur mes cheveux. Ouais. Si t'avais des recettes maison, bah, notamment le shampoing solide. Ouais, shampoing solide, mais ça, t'en as déjà parlé. Et après. Je crois qu'une fois c'est parce que t'as dû parler de ton. Ah, nez, bah il y a les poudres. Oui, bah justement, c'est ça. Attends, Amandine va les faire. On vient de se travailler la transition, mais c'est un sketch. Donc attends, il faut que je trouve une transition. Redis-moi les poudres. Bref, si c'était des poudres dont vous vouliez qu'on parle, Amandine va faire une vidéo là-dessus, sans vouloir lui foutre la pression. Normalement, ça devrait arriver, donc suivez le sketch et je pense que Akilou, soit tu t'apporteras ton complément. Soit. Mais comment j'apporte mon complément? Bah, la prochaine vidéo bien joueur. Ah oui, oui. Oui, ouais. Comme ça j'aurais regardé la vidéo d'Amandine. On fait comme si ça? Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas comment je vais te monter cette vidéo à Kilo. Bah, elle durera. On est à combien? On est à 11 minutes. Ouais, ça va, franchement, on est large. On va commencer à Kilo. Bah, on va commencer. Allez, par contre, on trace. Bon, alors, la Birchbox du mois de novembre est très jolie. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle est belle. D'accord. Elle est quand même jolie. Ouais, c'est une belle Birchbox. De couleur automnale. Ouais. Voilà. Donc on va regarder le paper. Une offre rien que pour vous, moins 25% sur votre produit chouchou. Ouh, on sait déjà. C'est Black Friday. C'est Black Friday. Là, c'est ça. Ah, pardon, moi je suis en train de sortir les produits. Mais j'ai pas de. Ah, bah c'est ça alors. Ah, bah. Elle me sort le truc. Oh là là. Fall in Love, elle s'appelle. D'accord. Les tiroirs. Birchbox. Allô. On revient aux boîtes de tiroirs parce que j'ai besoin de tiroirs. Bah oui, il y a du rangement. Il y a du rangement, il y a du rangement. J'y vais. Allons-y, à qui donc jour. Qu'est-ce que tu pioches? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah hé. Alors là, franchement, je sais pas comment tu vas te débrouiller avec le montage, mais comme j'ai parlé de charbon, de savon, de savon solide, et ben nous avons un savon au charbon. Ça faisait trop le. Ouais, la transition, c'est parfait. Et franchement, sans ouvrir la box, quoi. Nickel. Donc, une marque que je connais, Daily Concept, qu'est-ce que j'ai eu chez eux? Je crois que c'est un savon que j'avais eu aussi. Ouais, je sais plus. En tout cas, ça a l'air. Là, ça me fait pas peur de mettre ça sur ma peau, par contre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, plein de trucs, mais comme d'habitude. Et j'adore l'odeur du savon. Ah, c'est pour le corps. Je mettrai pas sur mon visage. Laissez-nous vous présenter l'accessoire qui va révolutionner votre douche au quotidien, cette éponge savon. Non, faut l'ouvrir. Ouvre-nous ça. Multifonction cache un actif magique. Comment ça marche? Composée de charbon, elle nettoie le corps, exfolie légèrement et purifie délicatement. Hors tout, humidifiée et utilisée sur la peau comme un savon classique en effectuant des gestes circulaires en douceur. Et il est cruelty free. Format de vente et miniature 45 grammes. Il est à 5,91€. Je trouve ça bien pour un. Il est surtout super emballé. Hein. Ouais. Ah, je comprends. Parce que t'as un côté éponge, non? Ah oui. Et un côté savon. C'est ça. Et franchement, et il sent super. J'adore l'odeur. Ça sent un peu le hammam, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça sent le hammam. Oh là là. Bah écoute, c'est plutôt bien. Ça, c'est vraiment une découverte, tu vois. Ah ouais, ça, j'adore. C'est typiquement le genre de produit que t'aimes bien avoir dans les box. Exactement. Des trucs que tu connais pas du tout. Et super. Ça, Birchbox, nickel. Parfait, continuez. Continuez. Bah, continuez avec quoi? Et on va voir. C'est la vidéo des transitions, les enfants. Ah, j'ai choisi. Ah, une petite histoire, forcément. Bah, c'est pas une histoire, c'est que en fait, j'ai choisi le pinceau couvrant parce que je l'ai vu chez tout le monde. Oui, les petits pinceaux ovales, comme ça s'est fait beaucoup l'année dernière. Oui, c'est. Ouais, même il y a deux ans, genre c'était à la mode, tout le monde en avait. J'en ai jamais testé, moi. Ça, c'est pour mettre du fond de teint, normalement. Je pense que c'est un peu petit pour le fond de teint. Peut-être ton correcteur ancien, je sais pas. C'était le plus grand qu'on te proposait, tu savais quoi à côté? Je sais pas ce que c'est, le correcteur ancien. Ah, sorry. On en est là, tu sais, parce que c'est un anti-cerne. Bah si, mais j'en ai pas. Ah. T'as, j'ai jamais de cerne, regarde. Ah. Cette femme, une jeunesse éternelle, quoi. Et la correction, non? Bah non, je mets ma bébé crème. Je pense que c'est logique. Je mets une bébé crème, la poudre libre, machin, un peu de... de bronzer. De bronzer,
un peu de rose sur les joues, un peu d'highlighter, et voilà. Mmh. C'est... Et puis après, les yeux. Les yeux. Oui, bon, effectivement, quand t'as des imperfections et tout, par exemple, moi, typiquement autour du nez. Mais t'as rien, mais t'es parfaite! Sketch! La tête! T'as regardé ma dernière vidéo de chit-chat au début? Ah, je peux te dire que au niveau rougeur et imperfection, là, il y avait du. Franchement, mais moi, je vois même pas ça. Quoi. Non, mais Kilou, ouvrons les yeux. Mais j'ouvre les yeux! Open my heart! My heart, my eyes, tout! Bon, bref, parlons peu, parlons bien. Est-ce que c'est... t'avais le choix avec quoi d'autre? Avec un autre pinceau. Plus grand, plus petit? Plus petit, un kabuki, voilà, c'est ça. Ah. J'en ai 40 000 des kabuki, okay. J'en pouvais plus. D'accord. Les kabuki, là, tout petit comme ça. Oui, tu n'as pas d'accroche. Mais en vrai, t'as pas d'accroche, quoi. Franchement, ça me saoule le matin. En plus, moi, c'est vite fait, quoi. Allez, 10 minutes le maquillage. Ah, bah, c'est beaucoup. Non, c'est mais beaucoup. C'est 10 minutes parce que je mets la crème et que j'attends. En même temps, je lance le café. Ouais, je lance un film de Noël. Comment elle balance. Oui, oui, en ce moment, ma vie, c'est les films de Noël. Non, c'est ça, les kilos. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va quand même avancer, les enfants. Alors, Still London. Pinceau ovale, un pinceau du futur, du passé, hein, surtout, j'ai envie de vous dire. Abandonnez votre éponge à maquillage pour cet accessoire multifonction, ce qu'il fait, il applique parfaitement tous vos produits, teint en un clin d'œil, son manche légèrement incliné permet son application ultra précise. On aime son effet naturel sans trace ni démarcation, on adore sa douceur, un vrai plus pour les peaux sensibles. C'est vrai que c'est doux, j'arrête pas de... tiens, ouais. J'arrête pas de jouer avec. Après, franchement, moi, je saurais pas du tout utiliser un truc comme ça. Mais tu sais, moi, je suis déjà pas éponge. Franchement, je me maquille tellement que avec mes doigts. Ouais, moi aussi. Dites-nous si vous faites ça avec votre bébé crème. Ouais. Ou votre crème... Ouais, ouais. Parce que là, parce que c'est vrai que je mets pas de fond de teint, donc... Moi, je suis lost. Bon, le price, on l'a dit ou pas, à Kilou? 7,64€. D'accord. Bon, c'est une découverte, encore une fois. C'est un truc que t'as pas chez toi. C'est ça. Wunder... Ah, c'est pas pour les sourcils, ça? Si, mais je crois qu'Amandine, elle l'a testé, ce truc-là. Mais cette femme, elle en teste des trucs. Écoute, il me semble. Hein. Mais c'est un truc de malade, ça. Ça va me prendre 10 minutes en plus. Le matin. Faut lancer un deuxième film, t'inquiète pas. Mais j'ai pas le temps de regarder un film. Ouais, c'est un kit, carrément, quoi. Mais alors là. Alors, qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est la bonne couleur. Non, ou peut-être un peu trop clair, je sais pas. Non, c'est la bonne non, couleur. Non, ça a l'air, parce que là, tu vois, il y a deux versions. Ah oui, une pour les blondes, ouais, une pour les brunes, donc ça, je pense que ça va. Ça, c'est pour les blondes. Oui, je me suis plus maintenant. Franchement, tu peux te taire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, plein de trucs, rien. Ah, bah c'est sympa. À vous, les sourcils parfaits sans avoir à les remaquiller tous les matins. C'est exactement ça. Ce qu'il fait, ce gel permet de les combler, redessiner et redéfinir. On aime le résultat naturel, assuré grâce à sa formule innovante, composée de fibres capillaires et des pigments colorés. Le plus, à vous, les 2-3 jours de tranquillité. Pour un démaquillage parfait, misez sur une huile. Je comprends pas. En fait, t'as pas regardé la vidéo d'Amandine? C'est quelle vidéo d'Amandine? Ça s'appelle test produit sourcil Wunder 2, je sais pas quoi. Je sais plus exactement le titre, à Kilou, je vais pas te sortir les titres comme ça de nos vidéos depuis 107 ans. Mais c'était une vidéo test où elle essayait ce truc-là. Et effectivement, le principe, c'est ça. C'est tu te tartines, tu te maquilles et ça reste pendant plusieurs jours. Même si tu te démaquilles, pas. Machin. Je m'en souviens pas. Par contre, je me souviens du test du charbon. Mais moi, ça me fait peur d'avoir un truc sur la gueule pendant 3 jours. Bah, c'est-à-dire, si tu te loupes le jour où tu l'appliques, t'en as pour 3 days, quoi. Ah, non, mais... On testera quand je serai 3 jours en vacances, quoi. Où je vois personne et que je regarde mes films de Noël pendant 3 jours, quoi. Non, mais tu regarderas la vidéo d'Amandine, je suis sûre qu'elle avait des astuces. Ok. Pour si jamais tu te loupes, parce que tu peux l'enlever tout de suite avec tel ou tel produit, je ne sais pas. Eh, mais il n'y a que des gros produits. Mais ouais, parce que là, ça, c'est un full size. Ça, c'est sûr. Ça coûte... 25 balles. Ah ouais. Bon bah déjà, en sachant que la box est à 13. Tout est fait, voilà. Tout est dit. Mais c'est un truc de ouf ce mois-ci, quand même. Bon, après, on l'a pas dit, mais c'est le mois de novembre. C'est le mois de mon anniversaire. Non. Donc je pense que Birchbox est au courant et qu'ils ont mis le paquet pour cette box. Je pensais ça. Parce qu'ils ils l'ont pas mis pour moi. Bah oui, mais bon, il y a des priorités. C'est ça. Sorry. Sorry. Allez, à qui on enchaîne? J'ai encore plein de produits là, non? Cette vidéo n'avance pas. Morning Street. Ouais. C'est la marque. Mm-hmm. C'est marqué soin sans rinçage pour les cheveux. Inutile de résister, vous allez forcément succomber à ce soin sans rinçage, au parfum à tomber. Ouvre-moi ça tout de suite, à qui? Mais ça sent Titi, ça sent Jean-Paul Gaultier. Ça sent Titi. Bah, en même temps, tu trouves pas ça sent Titi? Oui, c'est vrai, ça sent un peu. C'est musqué, quoi. Ça sent Jean-Paul Gaultier. Si vous connaissez Jean-Paul Gaultier pour homme. C'est ça. Ça coûte 9,35€ prix abonné et ce qu'il fait en toute légèreté, il hydrate, répare et démêle vos longueurs. Donc c'est un soin
sans rinçage, quoi. Parfait. Crème de jour pour cheveux. Eh ben écoute, vu que je me lave jamais les cheveux le matin avant d'aller bosser. Dans sa formule, ils disent de l'huile de lavande qui nourrit en profondeur. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi aussi, souvent, quand je me... Je vous ai expliqué ça hein, dans la dernière vidéo Empties. Je me lave les cheveux et je les laisse sécher. Et en fait, c'est le lendemain où j'arrive à avoir un résultat comme ça, des boucles un peu plus lâches. Donc, par exemple, là, ce matin, ça aurait pas été de refus. Une petite crème sur les pointes pour les assouplir un peu. En tout cas, moi, ce genre de produit, mais à Kilou, je ne m'en lasse plus. Oui, moi non plus, franchement. Donc, top of the pop. On continue, dernier produit, je connais, c'est Sampa. Sampa, Sampa. Masque gomme de nuit. Ah, bah ça, c'est peut-être un produit que tu aurais pu mettre après le voilà, drame. Maintenant, j'en ai un. Mais le drame est passé. Prix abonné 26,35€. Ouais. Les 50 ml, là, t'as 15 ml, on est quand même revenu à des formats un peu plus habituels. Et c'est donc un masque gomme de nuit. On a trouvé le produit idéal pour toutes celles qui rêvent d'un soin qui agit pendant qu'elles dorment. Ce qu'il fait, il resserre les pores, élimine les marques dues aux imperfections, lisse le grain de peau et laisse la peau saine et pleine d'éclat. Au tout, le lendemain, appliquez le produit en fine couche puis laissez sécher. Rincez le lendemain matin avant d'appliquer votre soin du jour habituel. Ouais, plutôt nice. Bah, moi j'aime bien les masques de nuit, mais toi tu pourras le faire. Ouais. Devant le film de Noël. Tout essai les enfants. Qu'est-ce que t'en penses de cette box à Kilou? Bah franchement, moi je suis agréablement surpris. Ouais, hein, voilà. Fall in love, bien, vraiment in love parce que Sampar, j'aime bien cette marque. Ouais. J'ai toujours aimé. Bah c'était à 100€, tu te souviens quand on avait mis. Je l'ai jamais racheté. Lissant, là. Mais oui, parce que ça lissait vraiment. C'est un truc de ouf. Après, ça coûtait un prix de malade, mais je crois que c'est le seul truc que je pourrais vraiment m'acheter. Parce que quand on l'a mis, c'est vrai que direct on s'est dit, mais c'est dingue quoi, notre peau elle était... Ça je sais très bien que Sampar c'est valeur sûre. Là en fait vous avez un petit fascicule dans cette box là avec toutes les promos Noël, les coffrets, les trucs idées cadeaux, machin. Donc bon bah c'est toujours bon à prendre. De toute façon la base de la base c'est ça, c'est pourquoi on est là. C'est parce que c'est un cadeau de Noël ton abonnement de Netflix. Rappelons-le. Merci la sister. Grave. Thanks sister. À la base c'était un petit abonnement, je sais plus, 3 mois. 3 mois ouais. Et puis maintenant je paye 13 balles tous les mois. Donc c'était une bien bonne idée. On le rappellera jamais assez, mais si vous avez envie de vous abonner à la Birchbox, le petit lien là qui joue est dans la barre d'infos. Ouais. Et ça te donne toi, je sais pas si c'est 5 ou 10. 10 points ou des euros? C'est 100 points. Bah c'est 10 euros en fait, 100 points c'est 10 euros et ça fait la même chose pour l'autre personne. Donc ça lui donne des points, ça vous donne des points pour après utiliser sur la boutique. À chaque pince quoi. Franchement si on peut prendre, prenez quoi. Bah, enfin, c'est clair. Ça soit mon lien ou le lien d'une copine. Oui, enfin, c'est toujours mieux de prendre le lien d'Akilou qui n'a rien à voir avec la choucoute et qui est tellement contente, si vous voyez ses yeux. Chacha, j'ai un nouvel abonnement. Bah voilà, donc bon, je pense que ça fait plus plaisir d'offrir un truc comme ça à Watt qu'à Sananas Beauty. Oui, ouais, c'est vrai que... Bon. Enfin bref, voilà, on n'est pas là pour vous ça. Vous faites ce que vous voulez en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, j'attaque la Beautiful Box. Un petit rebrief d'Akilou. Alors, la Beautiful Box. La Beautiful Box, c'est une box de produits bio, naturels et faits en France. Voilà. Qui donc nous permet d'avoir 5 produits full size pour 39,90€. Et puis c'est déjà pas mal. Et ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Et là, je viens de voir le thème du jour, Akilou. Ça va te parler. Hein. Ça va me parler. Aujourd'hui, les 7 merveilles du monde, Akilou. Bien nice. Petite. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Anil. Ouais. Franchement, c'est pas, je veux pas faire de la pub. Je pense que vous le connaissez. Mais Anil, il a fait les 7 merveilles du monde. Là, il est à Rome. Là, il est en train de faire le Colisée, son dernier. Parce que pour moi, il y a du travail. Quoi. Ça, c'est des sacrées vidéos, voilà. Sacré montage. Hein, voilà. J'en ai des frissons. Quoi. Donc, j'espère que la box. Bah alors donc, on va avoir un truc de Rio. Bah non, tout est en France. Ah bah ouais. Bah alors, comment ils se débrouillent? Ah c'est ça. Mais en France, mais 7 merveilles du monde. Allez, Akilou, vas-y, je te laisse piocher. Je regarde, vous voyez, c'est énorme, ouais, c'est lourd. Rappelons-le, c'est des full size. Hein. Eau apaisante, mais c'est parfait. Christian Lénard, j'adore cette marque, c'est français. C'est l'eau de rose. Là, c'est l'eau de bleuet. Ouais, je trouve que ça pue l'eau de bleuet. Vous trouvez pas que c'est une odeur, l'eau de bleuet? Mais on va le sentir. Ouais, non, je sais pas si tu peux essayer. Tu vas sentir, tu vas voir. C'est bon pour les yeux, ça, pour les décongestionner. Ah non, ça va. Regarde, il y a une petite odeur, il y a un petit. Eau apaisante, paupières. Aux extraits de bleuet. Ouais. Et ça, ça c'est franchement, des fois vous avez des offres, tu peux avoir l'eau de bleuet, l'eau de rose. Moi c'est des trucs que j'ai toujours chez moi. Ouais, c'est un supermarché? Oui, tu le trouves chez Leclerc. Ouais. Ça coûte pas très cher, en plus souvent Leclerc quand c'est les trucs... les promos beauté. Les promos beauté, genre c'est 2€ la bouteille. Franchement, puis ça fait tellement longtemps... Donc voilà, ça c'est des basiques à avoir. Vas-y. Prix public, 6,90€ les 200 ml. Oui. Et là, ils nous disent, observez le Machu Picchu. Et quel rapport avec... Bah parce que les paupières... Ah putain, mais... L'armes, quoi. Le Machu Picchu, quoi. Le premier qu'on ouvre, c'est un signe. Parce que je sais pas si vous le savez, mais c'est... mon dreams, quoi. Enfin, mon dreams et l'île de Pâques. Tout a essayé, Akilou, cette vidéo n'en finit pas. Cette vidéo...
Je veux dire, cette vidéo n'en finit pas de rêve. De bonheur à tout va. Bah, ils disent plein de trucs. Parce qu'il faut quand même dire que Christian Lénard est un arboriste français passionné par les bienfaits des végétaux. En 1960. C'est un bout d'homme, là, si tu me permets. Si je le place pas maintenant. En 1960, il produit ses premières eaux florales dans la pharmacie de son père. Concentrées en principes actifs, elles sont recommandées dans les soins quotidiens du visage et du corps. Aujourd'hui, la marque Christian Lénard propose un large gamme de produits à base d'ingrédients de qualité issue de plantes, fleurs et fruits. Ça sent bon ici. Oh, et les codes promo, et je trouve ça vraiment parfait quoi. Et ils disent le conseil d'utilisation le matin pour un regard frais et instantané. Oui, et puis t'imbibes des petits trucs comme ça. Tu peux même te faire des petits masques comme ça le soir devant ton film de Noël. Eh mais ça va être le... Tu vois, comme ça, les trucs bien imbibés que tu laisses comme ça sur le contour des yeux. Et pas besoin de mettre de correcteur. Après, t'as le regard à payer. Voilà. Lentisseur. Non mais personne dit ça, Guilou. Allez, allons-y. Mais j'ai l'impression que t'as un produit en plus par rapport à d'habitude. Exhalia, Aix-en-Provence, l'eau ultime. Et c'est une bébé crème. Bébé crème pour les yeux. Bébé crème contour des yeux, à l'huile de coco et à l'extrait d'orange bio. D'accord. Donc ça vient d'où? Un tout petit peu teinté peut-être. Et ça vient d'où? Bah ils te disent étape 4, contempler la Chichen Itza. Ah oui, au Mexique. Mmh. Bah en fait c'est que des trucs pour les yeux alors. Ouh oui, sinon. Ouais, donc c'est bien teinté. C'est bien teinté hein. Donc mais c'est teinté saumonné donc c'est pas mal. Mais peut-être que je pourrais, pour bien l'étaler, on va faire un mix avec le. Peut-être qu'avec ça, je testerai demain matin. Mmh. Après toi t'as des petits yeux. Tu vois, par rapport à moi où j'ai quand même beaucoup d'espace, je trouve. Ou alors ça, ce qui est really nice aussi, c'est pour... Ah ben parfait. Et pour le produit crème. Parce que là, les poudres, je suis pas sûre. Non, mais en fait, tu sais, c'est mon truc crème de chez... Ton stick. Ah, mais voilà, on a trouvé l'utilité. Voilà. Revenons-en à mon mouton. Oui, alors ça, je vais le poser là, hop. À la place de la box. Christian Lénard. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette marque Exhalia? Le laboratoire Exhalia, situé à Aix-en-Provence, produit une eau ultra pure et conjugue à des actifs de plantes méditerranéennes aux vertus exceptionnelles pour développer des produits cosmétiques bons pour toutes les peaux, même les plus sensibles. À base d'eau douce et de pH physiologique, les produits Exhalia respectent la barrière entre le derme et l'épiderme de la peau. 32 euros quand même, ouais, c'est bon, elle a fait la vôtre. Et c'est surtout une marque qu'on n'avait encore jamais eue. Ah non, ouais. Donc parfait. Nickel. Et toujours un petit code promo sur la petite carte. Ok. On enchaîne à Kilo ? On enchaîne. Bah ça je connais. C'est quoi ? Le Cadalys, que j'ai souvent contour des yeux encore. Et qu'est-ce qu'on contemple avec le Cadalys ? C'est vraiment qu'un truc autour des yeux en fait. Regardez la Grande Muraille de Chine. D'accord, en fait c'est une box spéciale Eyes. Ah là c'est ça. Bah d'ailleurs toi qui foutais jamais rien sur des yeux. Et en plus, tu vas être équipée. Bah c'est clair, donc contour des yeux éclatissant. Musa Light, édition limitée de chez Cadalys. Ah, et ben. Et c'est un produit qui coûte 39 euros. Non mais là vraiment le rapport quantité, prix de box, quantité des produits, machin, c'est ratio. Ouais, c'est énorme. Là on est sur un truc. Qu'est-ce qu'ils nous disent à Kilo? Shirley Billon a créé la marque Cadalys pour combiner son désir de valoriser les vertus cosmétiques ancestrales du bananier. Ses origines créoles n'y sont bien entendu pas étrangères. Cette femme. Le bananier possède en effet des vertus extraordinaires, apaisantes, cicatrisantes, revitalisantes. Retrouvez les antioxydants qui le composent dans tous les rituels de soins Cadalys. Un seul mot nous vient. Waouh ! Acteur studio ici. En tout cas, il n'y a pas d'odeur. Hein. Rien du tout. Non. C'est quand même différent de cette bébé crème qui est plus pour le matin. Maquillage pour le matin et ça pour le soir, t'es nickel. Qu'est-ce que t'as l'autre bleuet avant on est bien. C'est ça. Après, on enchaîne avec on enchaîne avec un autre produit, je pense, pour les yeux. Masque contour des yeux, soie essentielle, Compagnie des Indes. Attends, je vais essayer de deviner où est-ce qu'ils peuvent nous aller avec la Compagnie des Indes. Ouais, ils auraient pu le mettre pour le Taj Mahal, par exemple, mais c'est pas le cas. Ils l'ont mis pourquoi? Pour admirer le Colisée. D'accord. Masque contour des yeux, ouais. En gel, j'ai l'impression que c'est en gel. Je pense que ça va être hyper frais avant de mettre ton... Et sacré, et franchement... Sacré routine pour les ailes. Là, par contre, je tiens le pari. On garde le pari. Non, okay. Mais si. À partir de lundi, je tiens une routine... Tu vois, pour mettre ton réveil un peu plus tôt. Je vais tester. Ouais. On teste 15 jours. Mais oui. Allez, on reste sur 15 jours. Top à la vachette. Non, mais je trouve ça nice, par contre. Comme c'est que des produits... pour les yeux, ouais. Trouvez pas ça nice de faire vraiment un test de la box pour le mois d'après avec que les produits? Le rendez-vous est pris, voilà. Donc je le mets sur moi vu que t'as... Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? J'ai l'impression qu'il y a des noyaux de je ne sais quoi. On sent rien, et c'est fou comment on sent rien pour les produits pour les yeux. On est en 1600... Non, arrête. Arrête. Non mais c'est pas vrai, fondé en 1665 par Louis XV. Non, attends.
Louis XIV. Je sais pas, 14. Je vois pas. 1665 par Louis XIV, la Compagnie des Indes écuma les mers du globe. Ah, mais la Compagnie des Indes, oui, bah oui. Pas de produit. Stop, il avait autre chose à faire. Bah ouais, parce que j'étais en train de me dire. Bah oui, en fait, la Compagnie des Indes. En 2016, une équipe de botanistes modernes réinvente la compagnie pour vous proposer une collection de plantes pures et bio au service de votre bien-être. Elle propose des infusions. Oh, c'est. Pardon. Elle propose des infusions et thés bio. Des cosmétiques et des parfums naturels, de quoi se faire du bien à l'intérieur. J'aime trop la texture un peu gelée comme ça. Bah oui. Ça fait vraiment masser. Et en plus, t'as vu, regarde. Je l'ai mis, ça sèche direct. J'aime bien les produits. J'aime pas, bah en fait, on en parlait hier. J'aime pas, moi, quand ça fait genre pause. Quand tu portes des huiles végétales. Végétales et que ça reste, en fait, je suis pas à l'aise. En fait, j'aime pas sentir un produit sur mon visage. T'es oppressée, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, toujours le code promo, 26€ le soir, une à deux fois par semaine. Ok. Déjà, ça fait un produit que j'ai utilisé que deux fois dans la semaine. Elle y croit pas. Non, mais parce que tu mettras tout ça à plat après, à kilo, sur papier. Mais j'ai pas besoin d'être sur papier. Je sais ce que je vais faire. D'accord. Bon, allez, on termine. Il reste deux produits encore à kilo. Boho. Un petit fard à paupières, bah, forcément. Ah, avec le pinceau. Pour contempler ces deux produits différents à kilo. Ah, pardon. Par contre, j'adore la couleur. Donc, autant pour moi, il y a effectivement un pinceau plat avec la petite commande. Mais t'as deux cartes, c'est pour ça. Bah, et franchement, ça y est. Ah, mais non, c'est parce que t'as un autre truc. Mais oui, mais j'ai vu la carte. Bon, allez, on ouvre tout en même temps, soyons fous. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon noir. C'est un crayon noir. C'est un crayon noir. Si j'avais un test à faire avec une semaine, juste me maquiller les yeux avec juste les produits de la box. Oh, on est tranquille. Une gosse. Non, mais. Mais moi, je veux savoir. Donc, ça, ils l'ont mis pour, je suis sûre, Rio. Alors. Pour le Corcovado. Non, voyez là, Beautiful Petra. Ça me dirait bien de le faire aussi. Hein. J'ai vu des. De toute façon, je crois que c'est la photo d'Anil avec les lumières. Ça m'a. Et le Taj Mahal pour le pinceau. Eh si. Ah, le c'est le crayon pour le Corcovado. C'est pour ça que t'as beaucoup de produits en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as plus de produits que d'habitude, hein, Akilou. Franchement, là, top of the pop. Bon, revenons à nos moutons. Donc, beau. Donc beau, green make-up, ouais, je pense que tout le monde connaît. Je suis contente. C'est quoi la couleur? Violet un peu. Je pense pas qu'on dise violet quand même. Je sais pas, violet, t'as l'impression d'avoir ta collection de feutres, tu vois. Genre tu sais, tu pars à l'école. On dit pourpre, on dit... C'est vraiment sympa. Hein. Ah ouais, grave. C'est un peu scintillant. C'est bien pigmenté et tout. Franchement, Akilou... Ça va être nice, quoi. Même moi, je vais le mettre demain matin, je pense. Mais oui, de toute façon, il sera posé dans la salle. Un petit smoky avant d'aller en rendez-vous client. Donc voilà. Un petit pinceau qui va bien, on en a jamais trop. Ah non, et en plus, ceux-là, mais, pff, les comme ça, c'est mes prefs. Pour appliquer la matière, tu n'oublieras pas d'estomper les contours. Oui, pas de problème. Le large. Ça, j'ai l'habitude. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Beau? Bah, Beau, tout le monde est en kiff quand même. Bah, tout le ouais, monde est Beau, franchement. Beau Green Makeup est une marque engagée de maquillage naturel inspirée par les tendances de la mode bohémienne et hippie des années 60. Ombre à paupières, prune. Prune. Ah, bah, tu vois ce que je veux te dire. C'est qu'on ne dit jamais violet. Donc, c'est la 215 prune de chez Beau. Voilà. Et c'est vrai que c'est une marque accessible, c'est ça qui est cool, quoi. Pour tout le monde. Ouais, et puis là, franchement, t'as un format parfait. Un format normal, un format fard à paupières, quoi. Parfait, parfait. Et donc, ça coûte 8,95€. Et le crayon, par contre, c'est la marque Beautiful Box aussi. Ouais. Crayon. Exclusivité. Celui-là, c'est pour se rendre au ta. Au, non, pas du tout, au Corcovado. Au Corcovado. Au Corcovado. Salé. C'est parce que je me suis toujours vue arriver devant et faire ça comme ça. Ben non, mais c'est vrai. C'est l'histoire d'une équipe passionnée qui rêvait de vous faire découvrir des produits bio, des produits naturels et surtout des produits sains pour votre peau. Le tout dans un univers fun et coloré, le bio vert et marron, c'est terminé, vive les couleurs, sans nous prendre au sérieux, mais en ayant toujours à cœur de vous écouter pour mieux vous combler. Nous travaillons sans relâche pour voir ou deviner l'effet waouh sur votre visage à l'ouverture de votre box. Votre satisfaction sera toujours notre priorité. Nouveau défi de l'équipe Beautiful Box, se lancer dans le domaine ardu du maquillage. Belle découverte à vous. Franchement, là, je crois que le terme, il est là. Ouais. C'est le waouh. C'est ça. Waouh. Waouh. Merci Beautiful Box. Franchement. Franchement, là, je trouve qu'ils ont vraiment marqué le coup, quoi. Et par contre, je trouve vraiment que c'est une super idée. Arrête. Franchement, je pense que j'ai au moins 50 minutes de rush. C'est une folie douce. Parce que la vidéo vient de se couper. Hein. Ouais. C'est tout, je vais laisser. Les gens, ils kiffent. Mais oui, vous kiffez. Dites-le si c'est trop long. Franchement, on arrêtera, mais... Mais là, voilà, bon. Juste pour dire... Carton plein. Carton plein. Et... Autant on le dit quand le mois dernier, voilà, on a eu le produit... Femme enceinte. Et tout, on n'a pas compris. Autant là, pour moi, ils ont vraiment tout cartonné. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir... Rappelons-le. Rappelons-le. La meuf, tu sais, alors, elle ajoute des caisses.
Non, mais je trouve que c'est bien d'avoir une routine, d'avoir une box avec tous les produits pour un seul truc. Très bien les enfants, bah écoutez, on espère que cette vidéo, j'allais dire cette petite vidéo, mais pas du tout, on espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si vous kiffez les longues vidéos, bah vous avez qu'à le dire, il y a qu'à l'annoncer, cette femme t'appuie sur le bouton, mais t'es parti. Ça ne s'arrête plus. On vous embrasse très très fort, oui. On vous remercie d'avoir tenu le coup jusqu'au bout avec nous, et puis on se dit au mois prochain, mais oui. Allez, ciao, 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 à bientôt.